Bonjour, je suis Fonny Mi, directeur général du Centre de recherche Action sur les relations raciales, le CRAR. J'ai le plaisir de vous recommander aujourd'hui cinq œuvres, trois films et deux œuvres littéraires que je vous recommande hautement. Les trois films sont West Side Story, 1960, Les uns et les autres, 1981, et La vie devant soi, version 2020. Tous ces trois films traitent d'amour, de haine et de la relation humaine entre les gens de différentes générations, de différentes origines. Il faut absolument visionner ce film, non seulement à cause de leur beauté, de leur mise en scène, de la qualité de leur production, mais aussi du thème, d'un thème marquant, celui de la solidarité des relations interculturelles. Concernant les deux œuvres littéraires, je vous recommande la biographie de Barack Obama qui s'appelle Terre promise. Lisant ce livre, vous comprenez non seulement le parcours d'un homme remarquable et qui reflète aussi l'évolution de l'Amérique, mais aussi les événements les plus marquants de notre histoire récente en ce qui concerne entre autres le crash 2008, l'adoption de l'assurance maladie dans un pays le plus riche au monde, qui s'appelle les États-Unis, et plus dernièrement, la montée du Trumpisme. L'autre livre que je vous recommande s'intitule René Lévesque et nous, qui comporte 50 témoignages de proches de cet homme historique remarquable, charismatique, qui a défini la Révolution tranquille et qui continue dans un sens à définir aujourd'hui la nation québécoise. Les trois films et les deux livres que je vous recommande ont une influence très nette sur ma compréhension du monde d'aujourd'hui, notamment du Québec du XXe siècle, avec toute sa diversité, ainsi que sur les relations interpersonnelles, intercommunautaires, intergénérationnelles, qui marquent notre vie quotidienne et aussi notre relation avec le reste du monde. Merci.